Et tu n'as plus que 5 secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification si toi aussi t'as envie d'avoir tous ces webbugs gratuitement. Comme tu peux le voir, j'offre des cadeaux à tous mes abonnés. Si toi aussi t'as envie d'avoir un cadeau gratuitement sur ton compte Fortnite, pour cela t'as juste à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche de notification. Une fois que t'as fait ça, tu mets mon code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Et bien sûr, tu spams un maximum ton idée, ton pseudo Epic Games ou ton pseudo PSC Endas, parce qu'en commentaire vous puissiez avoir des chances d'être tiré au sort. Bonne vidéo. Ok, bien salut tout le monde, c'est Fintech, j'espère que vous allez bien. Bien écoutez, pour ma part, j'ai vraiment super bien. Comme d'habitude, si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche de notification. Comme d'habitude, le code créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Merci à toutes les personnes qui le penseront à le mettre dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, d'activer la cloche de notification et de lâcher un petit pouce bleu sur cette vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va simplement obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement. Avant cela, n'hésitez surtout pas à utiliser mon code créateur dans la boutique Fortnite. Voilà, ça fait vraiment super plaisir. Aujourd'hui, on va simplement obtenir plus de 13 500 V-Bucks gratuitement. Mais avant cela, n'hésitez surtout pas à rentrer le code créateur Fintech. Je sais, je fais que le dire, mais c'est vraiment très important. Cela me soutient vraiment énormément. Merci à toutes les personnes qui le feront. Simplement, pour commencer le glitch, ce que vous allez faire, vous allez simplement vous rendre au lobby de Fortnite. Après avoir rendu au lobby, vous allez simplement faire start. Une fois sur start, vous allez simplement cliquer sur 13 500 V-Bucks. Là, vous êtes simplement faire achat en cours. Après avoir fait achat en cours, là, vous êtes simplement vite aller retourner au lobby. Là, vous êtes simplement faire un retour. Dans faire un retour, vous êtes simplement cocher la case blog dans sujet. Vous êtes simplement écrire exactement la même chose que moi. Et dans corps du message, aussi la même chose que moi. C'est vraiment très important d'écrire exactement la même chose que moi. Après là, vous êtes simplement envoyé votre message à Epic Games. Là, vous allez confirmer votre message. Du coup, après avoir confirmé votre message, ce que vous allez faire, vous êtes simplement vérifier que vous avez bien mis mon code créateur dans la boutique Fortnite. Là, vous êtes simplement vite fait revenir sur 13 500 V-Bucks. Là, vous allez faire comme si vous alliez l'acheter. Après là, vous êtes simplement allé vous rendre dans vos paramètres, confidentialité. Là, vous êtes simplement vous mettre sur recevoir des kits d'opinion. Vous allez simplement vous mettre sur oui. Après là, vous êtes simplement mettre sur jouabilité. Là, vous êtes simplement vous mettre sur le serveur Moyen-Orient et vous allez simplement retourner sur auto. C'est vraiment très important. Après là, on fait ça, vous êtes simplement retourné sur 13 500 V-Box. Du coup, après avoir retourné sur 13 500 V-Box, vous êtes simplement cliqué une fois. Là, vous êtes simplement faire choisir le mode de jeu vraiment très rapidement. C'est vraiment très important de faire ça vraiment très rapidement, comme dans la vidéo. Voilà, les potes. Du coup, après, on va simplement cliquer sur le mode de Battle Royale. Après avoir cliqué sur le mode de Battle Royale, ce que vous allez faire, vous allez simplement attendre le chargement du mode de Battle Royale. Moi, du coup, j'ai un long chargement, je sais pas pourquoi. Du coup, tout simplement après avoir attendu le mode de Battle Royale, le chargement du mode de Battle Royale, normalement vous allez simplement attendre un ou deux jours avant de récupérer vos V-Bucks, avant que Epic Games ouvre votre message et vous mette vos V-Bucks sur votre compte Fortnite de Battle Royale. Voilà, en espérant vraiment que cette vidéo de glitch vous aura plu. C'était Fintech, comme d'habitude, le créateur Fintech dans la boutique Fortnite. Allez, ciao tout le monde.